Demain, c'est victoire. Il n'y a pas de victoire, c'est le bordel. Dernier avertissement, chers supporters, bestes supporters, merci de nous bien jeter sur le terrain pour cause de forfait. Non, 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 non. On t'a dit que non. Vas-y. Voilà. Mec, comme je te dis, ils vont rester là, ils sont chez eux, on va ouvrir. Ah, j'ai fait des claquettes. Ici. Des tongs. Ça intéresse qui? Qui veut les prendre? Qui ça? Ils sont chouettes. Ça appartient à ma fille, à Dinde des Fleurs. C'est pour qui? Personne? Pourtant c'est le Club Med ici. Hein? C'est le Club Med ici. Je vais être très simple. Soit qu'il n'y a pas envie, ou je sais pas s'il y a une vendetta ou quoi que ce soit sous l'entraîneur ou n'importe quoi, c'est pas mon problème. Soit qu'il n'y a pas envie qu'il reste chez Bobone, qu'il reste à la maison, qu'il envoie un certificat médical, mais qu'il ne doit pas venir. Qu'il ne doit pas venir. Il doit pas. Ici, c'est Molenbeek ici. Et ça, il faut respecter. Peu importe votre contrat, peu importe que vous restez 4 mois, 6 mois, 1 an, peu importe. Théo, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ne réponds pas. Je te dis, voilà, c'est quoi le problème? Parce que moi, je trouve qu'il y a un problème. Je vous le dis déjà, s'il y a match demain, c'est la victoire. S'il n'y a pas de victoire, le match se terminera pas. Ça, c'est moi qui vous le dis. Et tant mieux pour vous, vite rentrer au vestiaire, prendre la petite douche et rentrer à la maison. Les plus fidèles soutiens reprochent au président du club son manque d'engagement à Molenbeek. À la tête de plusieurs clubs, John Textor rapatrie certains éléments temporairement avant de les revendre ou les renvoyer dans d'autres clubs. Si ça, il n'y a pas un esprit groupe déjà de base et ils savent qu'ils perdent dans 6 mois, alors il n'y a rien à se passer à Molenbeek à part une descente. Le message des supporters est très clair. Vous allez au charbon et les autres matchs qui restent, au charbon, vous faites votre job et nous on fait le nôtre. Sans nous, il n'y a pas de club. Il n'y a rien. Tout le monde a compris le message. Le message, il est bien passé, les gars. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un leader là? Est-ce qu'il y a, je sais pas moi, un méchant, un pays qui veut parler ou n'importe quoi, ou discuter ou, parce que moi, je suis client, moi. Donc pour vous, c'est ça l'image qu'on a, en fait? Ouais, ça c'est l'image. C'est l'image. Sinon, on ne serait pas ici. C'est pas celle que vous avez l'impression de nous donner? Non, c'est une question. Non, je te demande. Non, mais ça, nous, on sait pas, au nom du groupe, là, on sait très bien. Tu crois que si, nous, allez, tu crois que pour toi, attends, tu crois que pour toi, ça se passe bien, tu crois que c'est bien? J'ai pas dit ça, mais c'est un club qui vient de monter, il y a beaucoup de difficultés, oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est. Vous avez tous les qualités, toi en particulier, t'es pas un doué, toi? Attends, t'es un doué, toi t'es un doué. Laisse-toi parler, papy. Parce que tout le monde parle. Papy, c'est parler, on discute. Papy, ça que t'as dit? J'ai dit tout le monde, papy, moi. Quand tu parles à des gens que tu connais pas, tu dis ça chez toi, mais pas chez nous. Est-ce que je peux parler? C'est moi le chef. Laisse-moi parler. Écoutez, moi, j'ai déjà dit au même à la presse aussi. D'accord? D'un côté, je suis d'accord avec vous. Ils le savent aussi. D'accord? Qu'on doit montrer une autre visage. Qu'on doit courir plus, qu'on doit se battre. Ils sont au courant. D'accord? La seule chose que je vous demande, soyez avec nous demain. D'accord? Et nous, laisse-moi parler, mais d'abord il faut gagner le premier match. Et le premier match c'est demain. Ça veut dire que c'est le plus important, c'est demain. D'accord? Nous, avec le staff et les joueurs, on a compris le message.